J'ai pas la journée, il arrive quand, ce docteur? Bientôt, maman, bientôt. Je sais que tu es obsédée par Empire, chérie, mais... Papa m'a confié Empire les yeux fermés. J'ai pas le droit à l'erreur. Tu devrais savoir que ça va se régler tout seul, d'accord? Ta santé est plus importante que la boîte. Ta priorité, c'est ton cœur et faire en sorte que ce cancer ne... Quelqu'un t'a vu? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? On vient pas voir le médecin. Ok. Le FBI veut se faire Empire. On va s'en prendre plein les dents. Il nous faut les preuves contre Demon Cross pour disculper papa. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on bosse ensemble, tous ensemble, si on veut réussir. Il s'agit de la famille. De notre héritage. C'est plus important que votre mariage. Faites-vous un câlin. Ou pas. Mais il nous faut une solution. Je vais vous laisser. Débrouillez-vous tous les deux. On a 30 minutes. Je te botterai le cul pour ça. Quand tu veux, maman. Jésus-Christ le retour pour la troisième fois. Amen. Ouais, t'emballe pas, j'essaye juste d'être courtoise. Rien à foutre de ta courtoisie. On ne serait pas dans cette situation. Si tu avais su te tenir et que t'avais pas couché avec Demon... Je n'aurais rien fait avec Demon Cross si tu m'avais donné ce qu'une épouse est en droit d'attendre. Parce que t'avais des attentes. C'est un peu tard pour t'en inquiéter. Quoi? T'as jamais couché avec lui. Je le vois. Ça te regarde pas. Non, j'en étais sûr. T'as pas pu me tromper. On ne trompe pas celui qui s'est occupé de vous comme je me suis occupé de toi. Oh, je le crois pas. De quoi tu parles, Lucius? Hein? Tu parles de la douleur, tu parles de la détresse, des crises cardiaques? J'ai pas eu besoin de m'allonger avec Demon pour qu'il me donne plus que tu ne m'as jamais donné. Pourquoi t'es pas dans ses bras en ce moment, hein? Pourquoi t'es pas avec cet empathé qui nous a mis une cible dans le dos pour avoir le dessus sur toi? Quand t'auras compris que j'ai pas plus besoin de lui que de toi. Une partie de ta phrase est un mensonge, mais t'es trop bête pour t'en rendre compte. Et c'est le spécialiste du mensonge qui me donne des leçons. Tu t'y connais, en craque et en déception, hein? En promesse non tenue, parce que t'es le maître du coup de poignard dans le dos. Je ne pouvais pas te dire ce qui se passait avec André. Je ne te parle pas d'André. Je te parle de nous. Ce qui aurait été bien, c'est que tu penses à moi, pour une fois. Tu n'es pas le centre du monde, Cookie. Oh, c'est clair, je m'en suis rendu compte en vivant avec toi. Pas besoin de mettre les points sur les i. Mais t'en fais pas. Je vais régler ce problème pour ma famille. Rien à foutre de ta gueule enfarinée. C'est moi qui vais régler ça, j'ai pas besoin de toi. Et quand j'aurai fini, je rentrerai auprès de ma douce. Oh, ta nouvelle boule, oui, c'est vrai. Ok. Tu ne m'intéresses plus. Non. T'en pinceras toujours pour moi. Tu peux changer de coiffure, t'habiller en gourou, te taper toutes les filles de la terre, chérie, mais tu penseras toujours à moi.